avez une autre idée? Donc l'importance de la méditation. Autre chose. Découvrir la beauté du Coran qui est sans fin. Un océan sans fond et sans rivage. C'est l'émotion, c'est du rappel. Oui, la finalité. Parmi aussi les finalités, c'est le rappel. Rappel. Ou le retour. Retour. Se souviennent. En fait, comme si la réalité est dans ton corps. Le Coran, la méditation du Coran t'aidera à trouver ces perles et cette beauté, ces océans de lumière qui sont à l'intérieur de toi. C'est tout. Le retour se rappelle. Les gens du noyau, le noyau, on l'a dit, c'est le cœur. Al-Bab, c'est ça. L'Ob, c'est le cœur. L'Ob al-Mawdou', c'est le centre, c'est le noyau. Hein. Donc dans le noyau, dans le cœur, dans l'esprit de Dieu qui est en nous, qui va découvrir tout. À travers le Coran béni, sa méditation, et tu deviens aussi parmi les gens doués d'intelligence. C'est une catégorie des gens. Il y a les gens de l'écorce, qui vivent à l'extérieur, il y a d'autres qui cherchent la profondeur. Parce que c'est clair ici. Ça, c'est l'objectif de cette méditation. Une photo? Je reviens. De travailler et avoir l'apaisement, que ce ne soit pas une fuite. Fuite de. Vous voyez le mot baraka, quelqu'un qui n'est pas riche, ici béni, qui n'est pas riche, mais en même temps, on dit il a la baraka, il a la bénédiction. Ça veut dire quoi? Il est toujours apaisé, il se contente toujours du minimum qu'il a. Voilà. Donc, c'est une richesse intérieure. Hein? C'est des trésors à l'intérieur. De l'extérieur, le Coran est normal. C'est un trésor caché. C'est à toi de découvrir. Il n'est pas donné à tout le monde dans le sens... Voilà, je vais lire le Coran, alhamdoulilah. Non. Il y a cette découverte. Comment découvrir? Méditation, effort. Après, tu deviens un spécialiste de la découverte des perles du Coran et de ses trésors avec le temps. Tu vas comprendre directement, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla. Tu deviens habitué. Lui a ami intime de Dieu. Lorsqu'il parle, tu comprends directement qu'est-ce qu'il voulait dire.
Par ça, oui, je comprends ça, il veut dire ça. Donc ça, c'est la bénédiction du corps. Je disais à Walter que parfois, c'est là où l'intention est vraiment primordiale, très oui. importante. Oui. Parce que soit, souvent, bon, voilà, on va aussi méditer et chercher, mais en même temps, c'est pas pour chercher Dieu et l'apaisement et la rencontre, mais et ce retour, mais plutôt une fuite des tracas de ce monde, des problèmes et des soucis. Et c'est comme si on, voilà, on se refuge là pour chercher des solutions à nos problèmes. Et c'est là, pour moi, où il n'y a pas la sincérité. Il n'y a pas... Et c'est ça qu'il faut peut-être la clé. Alors, le bienfait, le bien-être. Tout le monde cherche le bien-être. D'accord ? On a vu avec la colère. Si tu... imagine les conséquences, tu vas éviter la colère. Et ça, c'est pour des intérêts mondains. Il n'y a pas de mal, il a dit. Mais si tu relis ce bien-être à la connaissance d'Allah, il devient donc une adoration. Cette fuite, c'est une phase intermédiaire pour aller vers Allah, pour se libérer. C'est normal, tu vas pas gentiment. Tu ne peux pas sortir de la dunya, aller directement vers Allah. Tu dois passer par ces phases intermédiaires. C'est normal. Déjà, ça a arrêté la dunya, c'est l'objectif de la retraite. Et ce n'est pas un objectif, ça, c'est un intérêt. Bien sûr, dans chaque pas vers Dieu, il y a une réjouissance. On ne peut pas être sincère à 100%. Hein. Ça, c'est oublier ça. Il ne faut pas idéaliser le cheminement spirituel. Non, mais même si c'est vrai que même si l'intention n'est pas sincère, qu'on ne croit pas. Je parle dans le cas, là, comme tu disais, tu ne crois pas, mais tu vas te retirer pour couper. Il y a beaucoup de chemins qui s'ouvrent à toi. Bien sûr. Après, tu ne sais pas lesquels. Après, c'est ton cœur qui va pencher. Il y a des chemins, déjà rien que là, c'est une remise en question, donc il y a plein de chemins qui s'ouvrent. Oui. Et c'est là le début du cheminement. Tu vas pouvoir chercher dans le bouddhisme, dans le christianisme. Des fois, tu ne sais même pas ce que tu recherches. Tu ne le sais pas. Mais le fait d'être coupé, tu sais qu'il y a des voies. Après, c'est un travail. C'est un travail. Ça peut prendre des années, et puis les personnes qui ont cherché, puis au bout de plus de 10 ans, ils ont été coupés. Dieu les a guidés. Tu es obligé après de passer par certaines voies pour pouvoir le trouver. Oui, cet exercice, hein, de passage d'une mauvaise habitude vers des bonnes habitudes, de la prison vers la liberté, de la dunya vers Dieu, il y a toujours ces doutes, ces pressions. C'est normal. Il faut juste rester assidu. Continuer, Charles. L'assiduité, c'est le biais vers la sincérité. Même si je ne suis pas sincère, je fais. Et si je ne suis pas sincère, je fais quoi? J'arrête. Je dois continuer et purifier mon cœur. Donc, même dans la méditation, il y a un plaisir, il y a un intérêt. Je ne viens pas pour. Ah oui! Toujours! Après tout ça, tout ce qu'on a dit, attention, mon objectif, pour le dernier filtre, hein, on doit toujours passer nos actes par ce filtre, c'est quoi? Ah oui, la mort. La tombe. La mort, c'est abstrait. Quand vous dites la mort, quand je vois la tombe, je mets le filtre,
là, mon intention sera bien orientée vers Allah Azza wa Jalla. Je cherche une méditation bénéfique pour mon âme dans la tombe. Je ne cherche pas à réfléchir pour méditer pour méditer. D'accord ? Donc ça, c'est valable là, dans tous les domaines. Je travaille, d'accord, c'est bien, je travaille pour Dieu. Après, à la tombe. Et j'essaie de passer cette œuvre, la mettre dans la tombe. Même cette idée, si elle entre, regardez toujours les dimensions. Si elle est compatible avec la tombe, elle est sincère. S'il n'est pas compatible, il faut la travailler encore. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est une idée très efficace. On a parlé de ça. Hein, on a parlé de ça dans un cours qui s'appelle, on a dit cours particulier. Comment je peux essayer d'être sincère? C'est très facile. Là, c'est un moyen très facile pour vraiment travailler mon intention. Parce que l'intention peut être pas sincère. Même l'intention. Oui, oui, justement, c'est la sincérité. La sincérité de l'intention. Oui, être sincère dans ton intention. Mais imagine quelqu'un qui n'a pas d'intention déjà, qui fait les choses sans intention. Alors c'est encore. Et même si j'ai une intention, elle doit être. La sincérité. Elle doit être sincère. La tombe va régler tout. Quand tu penses à la tombe, voilà. Il y a beaucoup de choses qui tombent, il y a beaucoup de choses qui restent. Ça, des fois, tout disparaîtra devant la tombe. Tu dis, ah, ça, c'est pas sincère du tout, alors. Est-ce que c'est clair ici? Ça apaise beaucoup la tombe. Hein. Ça libère beaucoup. Le croyant, c'est l'idée de la mort, ne lui fait pas peur. Ah oui, parce que c'est la liberté de l'autre côté. C'est la liberté. C'est vraiment. Je vous rappelle, toujours à Yves. À la fin, comment il a fait? Un soulagement. Ah, la liberté. Là, il était libre. Alors, vous avez pris une photo de ça? Oui. Ah, voilà. Alors, au début, je n'avais pas l'idée de méditer l'intention de la méditation. J'ai dit, ouais, on gagne du temps. Ça, c'est le problème. La bénédiction, c'est pas une question de quantité. Il y a des personnes qui sont bénies. Juste, tu es à côté d'eux et c'est bon, tu trouves tout. Tu trouves tout ce que tu cherches. C'est ça, une personne bénie. Le Coran aussi, il est béni. Au lieu de lire 1000 livres de philosophie, de bien-être, tout ça, tu lis quelques versets et c'est bon. Donc, ça te raccourcit le cheminement vers Dieu. Au lieu de essayer de guérir ses maladies, tout ça, hein, tu trouves quelqu'un avec 2-3 conseils, alhamdoulilah. C'est ça la bénédiction du Coran.